Bien, on va sélectionner la totalité de ce qui se trouve sur le calque. Attention, il faut aller déverrouiller le rectangle que j'avais verrouillé pour être certain de ne pas le bouger par erreur. Donc le rectangle qui fait partie du motif et qui fait le recadrage du motif. Rectangle ou carré, peu importe, mais en tout cas, il doit être déverrouillé. Je fais un commande A, tout se sélectionne. Je vais déplacer la totalité avec la flèche noire, le déplacer dans la palette nuancier. Alors, soit je crée un nouveau motif, soit je mets à jour celui-là. Pour mettre à jour celui-là, il va falloir que j'enfonce la touche Alt pendant que je déplace ça là-dessus. Mais faites ça, mettez à jour celui-là. Celui-là va être remplacé par le nouveau. Et toutes les formes qui utilisent ce motif, donc notre forme là qui est sur un autre calque, devraient se mettre à jour. Donc avec la touche Alt, je vais sur le motif, il est encadré, je lâche le bouton à souris, et voilà, comme prévu, la forme qui utilisait le motif s'est mise à jour. Mortalité de l'histoire, vous pourriez mettre à jour un motif qui est utilisé par plein d'objets dans une illustration. Il n'y a pas de problème.